Aujourd'hui, il est hors de question que je mouille mes cheveux. Hein. On va pas abuser tous les jours du chlore sur ma tête, stop. Mais je vous explique pas comment j'ai trop mal. Une brûlure, t'as peur, j'ai trop mal. Putain. Je sais même pas comment j'ai fait pour me brûler avec une chicha. Le pire, c'est que je fume même pas la chicha, c'est ça le... Attendez, je vais la mouiller un peu, la brûlure. J'ai mal. J'ai même pas de biafine, faut que je rachète. Alors, entre mon coude et ici... Je sais pas si ça se voit. J'ai pelé, ça m'a arraché toute la peau. C'est voilà. En ce moment, je suis en travaux, je vais mal. En fait, le problème, c'est qu'il fait tellement chaud que t'es obligé de te mouiller la tête. Sauf que le problème, c'est que t'es obligé de laver tes cheveux tous les jours, ça saoule. Donc c'est pour ça, j'ai pas envie de. Ah putain, j'ai perdu une coupe d'oreille. Normalement, j'en ai deux. J'ai pas envie de tous les jours laver mes cheveux. C'est non. Hors de question. Déjà, ça les abîme, c'est pas bien. Mais le problème, c'est qu'il fait tellement chaud, c'est que t'as qu'une envie, c'est de mouiller ta tête. Putain, où je l'ai mis cette deuxième boucle d'oreille? Faut que j'en achète une là, avant que mon trou se bouche. Bref, je vous raconte ma vie. Du coup, ma mère, elle m'a dit de mettre mon coude dans l'eau pendant une bonne demi-heure. Elle m'a dit tant que ça brûle, ça veut dire que c'est encore en train de brûler à l'intérieur. Donc bon, je laisse dans l'eau comme ça là. Et après, je vais aller à la pharmacie parce que c'est pas possible. Putain, je suis sûre que je vais avoir une grosse marque et tout. C'est ma faute. Je déteste. Je déteste. Bref. En plus, c'est un endroit où tu sais, tu peux pas tendre le bras. Ah, quand je tends le bras, ça me tue. T'es pas à l'aise, quoi. Faut que je vais faire ça. Là, j'étais au téléphone avec ma mère. Et j'ai faim, mais ici je suis loin de tout, je peux même pas commander à manger, c'est la galère. Je sais même pas. Non, ça va aller, je pense. T'inquiète pas, ça va le faire, j'ai pas besoin. J'aime trop cette salle de bain, cette cuisine, elle sent comme chez ma mamie. Comme chez ma grand-mère. Oh, les courses. Bravo, j'avais pas vu. Trop bien. Il y a un criquet qui est quelque part. Vous entendez le bruit? Voilà, il y a un criquet coincé quelque part. Je sais pas, il est où. Ça fait depuis une semaine, il crie. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, donc du coup, ouais, je vous dis, ça, l'odeur ici, ça sent comme chez ma grand-mère. Je vous jure. Bon, je sais pas, il y a que du fromage, il y a que du curry, je sais pas. La maid, elle a fait ça. Je vais me faire réchauffer ces petites pâtes, on dirait pâte tunisienne. Non, non, c'est pas tonton. Bon, du coup, go me nourrir. En vrai, j'ai contacté le livreur, il m'a dit ouais, je peux venir dans une heure. Oh mon dieu, j'ai trop faim là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On va manger les bonnes pâtes au thon, ça va bien se passer. Faut que j'échauffe encore, c'est froid. Les filles, vraiment, pour ce masque, j'ai trop kiffé. C'est pas une pub, hein, je l'ai acheté. Je l'ai acheté combien? 74€. Et ça, 63€. Franchement, mes cheveux sont tout doux avec ça. Je le laisse poser 20 minutes, après je le rince. J'aime trop. Franchement, j'aime trop les journées repos, comme on les aime. J'ai pris ma petite douche. Je regarde Nouvelle École. C'est super. Ah ouais, je me sentais pas d'aller à la piscine, musique à fond et tout, là, non. Pardon, laissez-moi dans mon lit. Je fais ma petite journée repos, j'ai un petit peu bronzé tout à l'heure. Super. Si vous avez besoin d'un livreur sur Marrakech, il est là. Je vous mets son numéro. Merci. Ciao, au revoir. Il m'a livré ma pharmacie, là. J'ai acheté de la biafine, puisque c'était une catastrophe, là, je pèle. J'ai acheté du dentifrice, j'en avais plus, et de la crème hydratante. Franchement, il me sauve la vie, ce livreur. Donc voilà, j'ai commencé à me badigeonner de biafine. Franchement, si vous avez besoin d'un livreur, je vous ai mis son numéro. Vous l'appelez, vous achetez 24h sur 24, bon, sauf quand il dort. Mais sinon, il dort jamais, ce mec. Je sais pas, des fois, je l'appelle à 4h du matin, j'ai faim, il vient et tout. Et il vous apporte tout et juste vous donner un pourboire, quoi. Moi, en général, je lui donne 20€. Après, vous pouvez lui donner 10€, 15€, tu vois. Un petit pourboire quand même pour que... C'est comme ça qu'il fait son argent. Mais en vrai, voilà, c'est vous qui faites le prix, quoi. Parce que c'est... Il n'y a pas de truc de livraison ici.
Il n'y a pas assez d'Uber Eats ou par exemple. Quand tu veux faire des courses et que ça, tu commandes, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Donc voilà, lui il est content, il se fait son petit billet. Et puis vous, si vous pouvez pas vous déplacer, au moins vous avez votre truc. Bon, j'ai pris la big. J'ai pris la big parce que je pense que je vais en avoir vraiment besoin. Déjà ma brûlure. Skina, elle me fait trop mal. Voilà, déjà ça va lui faire du bien. Et je vais mettre aussi sur tout là, parce que tout là je pèle. J'ai acheté ça. Donc, comme ça, je vous dis un peu les prix au Maroc. Ça, je l'ai acheté 7 euros. Ça fait 71 dirhams. Donc ça va, je trouve que c'est pas cher. Parce que c'est quand même le gros format. J'ai acheté ça pour ma peau. Crème hydratante. Celle-là, par contre, elle m'a coûté 22 euros. Et le dentifrice... Je sais pas, il n'y a pas le prix. Je sais pas. Bref, en tout, j'en ai eu pour 385 dirhams, donc ça fait 38,50 euros pour les trois trucs. Donc voilà. Ça va lui faire... Somewhere.